N'y est pas tout le monde, alors bienvenue dans la catégorie entreprendre, voilà, assouvir sa passion peut-être de trader en compte propre. Voilà, comment est-ce qu'on encadre, voilà, le statut, le régime d'imposition autour de l'activité, quand et comment je vais encadrer. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette courte présentation. Alors, je tiens à rappeler une notion, c'est que je ne suis en aucunement experte, ni parfaite, et encore moins fiscaliste, malheureusement, et à mon grand désespoir, très loin d'être avocate. Mais voilà, comme une particulière lambda, j'essaie de comprendre dans quelle société nous vivons et j'essaie de comprendre pourquoi tout le monde manifeste un tel intérêt vers l'activité de trading. Et on voit bien que sur les forums, il y a énormément de questions autour de comment est-ce que j'encadre ce statut. Donc ça veut dire que c'est une activité qui se développe. Alors j'ai essayé de comprendre quelle était la réglementation autour de cette activité qui aiguise ma curiosité. Alors déjà, ce qu'il faudra retenir, c'est à mon sens, donc je ne suis pas une pro, je vous demande d'aller revérifier tout ce que je peux dire, mais moi, ce que j'ai compris dans mon développement et dans mon approche de la compréhension, c'est qu'en fait, il faut retenir une chose quand on est trader en compte propre, c'est la notion de gestion de patrimoine pour compte propre par des opérations en bourse. Et je ferai un rappel au regard de la gestion des risques, rappel sur le fait que trader l'argent d'un tiers, c'est-à-dire trader l'argent des autres, nécessite un encadrement réglementaire très spécifique et il convient d'aller solliciter l'AMF, voilà, pour être sûr de comment exercer et appliquer le cadre réglementaire qui découle de votre activité. Donc attention, il y a une grande différence en termes de gestion du risque au regard de trader en compte propre ou trader l'argent de tiers. Pourquoi ? Parce que l'argent de tiers, bah, ça va présupposer de mettre en place un encadrement de la société de gestion, un encadrement de la protection des fonds de tiers, notamment par des comptes de cantonnement, etc. etc. Peut-être même des statuts particuliers, CIF, CIP, agrément. Donc voilà, trop compliqué pour un particulier. Donc moi, je laisse tomber cette partie et je vous laisse aller voir par vous-même les spécialistes et experts si vous vous intéressez à cette partie. Donc moi, dans ma présentation, vous l'avez compris, on limite les risques personnels et voilà, on se limite à trader en compte propre. Bon, déjà, c'est bien assez de risques. Donc, comment est-ce que je dois comprendre comment encadrer? Alors, point d'interrogation. Moi, je dirais que, en fait, il y a de nombreux paramètres à prendre en considération. Il va falloir que vous considériez de nombreuses variables pour savoir un petit peu quelle décision il convient de prendre. Et la liste que je vais vous présenter, en fait, elle est vraiment restreinte. Moi, je vous invite justement à rallonger votre liste et à surtout l'adapter et la personnaliser à votre cas de figure et à votre situation. C'est-à-dire, est-ce que dans le cadre de votre activité de trading en compte propre, vous visez d'autres multi-activités? Est-ce que vous visez d'être salarié? Est-ce que vous êtes en situation d'être rentier? Est-ce que vous êtes retraité? Est-ce que vous avez une activité autour de ça qui sera principale, secondaire, complémentaire? Est-ce que l'activité de trading est principale ou secondaire? Par exemple, si vous avez une activité autour du consulting, et là aussi je dis attention, nota bene préconisation, si vous faites du consulting et du conseil en solution de placement et investissement autour de produits et services, attention, c'est également réglementé. Dès qu'on cible produits et services, il me semble qu'il y ait un cadre. Tout ce que je dis, je le répète, est à vérifier. Je ne suis pas une experte, juste une particulière curieuse qui cherche à comprendre. Alors, donc, pour savoir s'il faut encadrer ou quoi et comment encadrer, on va regarder beaucoup de paramètres, multi-activité, est-ce que je vais être salarié, je serai rentier, retraité, est-ce que je vais me rémunérer par bénéfice, par salaire, est-ce que je vais rattacher cette activité à une autre activité, une activité qui serait principale, comme celle de consultant, etc., etc. Est-ce que j'aurai des activités complémentaires, est-ce que mon activité de trading, elle est intense ou pas, dynamique, etc., etc., court terme, moyen terme, long terme. Est-ce que je souhaite optimiser ma fiscalité, y associer un PEA? Je ne sais pas, tout est possible. Donc voilà, vous, en fonction de votre situation, il va falloir lister tous ces critères et ces paramètres, ces variables de choix. Voilà. Et moi, je dirais que s'il s'agit d'une activité principale, alors oui, il semble qu'il faille systématiquement encadrer l'activité. Parce qu'à partir du moment où vous dégagez des revenus, ils doivent être déclarés et encore plus si ceux-là sont
régulier. Pourquoi? Ben parce qu'on a un risque majeur que celui-ci soit requalifié en fait de travail au noir. Donc parfois, voilà, la fiscalité est vraiment très très dure à comprendre. Néanmoins, le fait de ne pas comprendre la fiscalité, ça peut nous conduire à engager des risques sans parfois le savoir. Donc il faut faire très attention, voilà, dès que vous dégagez des revenus, des salaires et que vous potentiellement exercer un travail qui sera dit plus ou moins salarié, ben faut faire attention, enfin continue, faudra faire attention, tous les revenus que vous obtenez devront être déclarés. Pourquoi? Le risque majeur pour moi, ben, ce serait de perdre le bénéfice de tous vos efforts, tout le temps que vous avez alloué, peut-être hors cadre de temps de travail et autres, week-end, soir, pour essayer de juste améliorer votre quotidien. Donc oui, le risque autour du redressement fiscal serait de perdre le prix de tous vos efforts et de vos concessions. Et donc, j'ai envie de vous sensibiliser là-dessus. Pourquoi est-ce qu'à mon sens, moi, je ne suis pas une experte, je suis ni avocate, ni juriste et autres, je suis rien du tout, et en plus de ça, je suis tellement mauvaise que... Voilà, je cherche toujours à m'améliorer et je compte sur vous pour m'aider. Ben parce que voilà, je souhaiterais comprendre potentiellement à quelle sauce je peux me faire manger et éviter de mettre les pieds dans les zones rouges. Voilà, tout simplement. En fait, connaître le chemin que je vais emprunter pour mieux gérer mes risques. Donc procéder dans l'anticipation. Je ne démarre rien avant avoir réalisé une analyse de risque profonde. Voilà, au regard de mes projets. Pourquoi? Parce qu'un redressement fiscal, ça peut être supérieur à 120% et de toutes vos plus-values. Et les 120%, voilà, ne retenez pas ce chiffre quantitativement. J'aime pas les chiffres quantitatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de cas de figure qui font que c'est complètement variable et c'est vraiment en fonction de votre problématique. Donc moi, j'ai envie de vous dire, voilà, le risque majeur, c'est vous risquez d'y perdre des plumes, voilà, durement gagnées, je dirais. Et puis en plus de ça, encadrer votre activité, ça offre une opportunité indéniable, c'est celle d'être couvert tout simplement, d'entrer dans la zone sécurisée. Voilà, la gestion des risques. C'est-à-dire que vous allez cotiser à des caisses, donc vous allez cotiser à vos assurances vieillesse, santé, la sécu, la retraite, etc., etc. Donc vous allez être couvert. Donc voilà pour les opportunités. Alors n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience si vous, vous êtes trader en compte propre. Voilà, s'il vous plaît, aidez-nous un petit peu à gagner du temps dans le choix de nos décisions. Aidez-nous peut-être potentiellement à choisir les meilleures solutions directement les plus efficientes. Et faites-nous un petit retour d'expérience de pourquoi vous, vous avez choisi ce statut et ce régime d'imposition. Quelle était votre situation à la base et quel a été votre projet? Voilà. Je vous dis à bientôt, y est pas, et encore une fois, au plaisir d'avoir vos retours d'expérience collective. Parce qu'avec les retours d'expérience collective, on est capable d'avoir en fait une notion, on va dire, nominale. Voilà, on est capable de se rendre compte en fait qu'est-ce qui est mis en place de façon plutôt majeure et quelles sont les situations, on va dire, plutôt adaptées à des situations qui ont nécessité une mise en place de statuts et de régimes d'imposition plus personnalisés à la situation de la personne. Donc voilà pour ce que je souhaiterais essayer de comprendre. Et si le bénéfice, voilà, peut être transposé à la société, alors je dis, y est pas. Si tout le monde y trouve un avantage, y est pas, c'est plutôt cool. Allez, je vous dis à bientôt et voilà, bonne recherche en fait dans vos investigations et n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, moi aussi je me pose beaucoup de questions sur ce sujet que je ne maîtrise absolument pas, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc je cherche à m'améliorer. Allez, je vous dis à bientôt, yépa!